Salut mes pom-poms, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. J'ai été faire les magasins il y a quelques jours et je suis ressortie avec quelques articles et je me suis dit bon allez, je vais pouvoir leur faire un joli haul avec quelques vêtements très simples. Mais voilà, j'aime bien, donc voilà, je vous les présenter. J'avais été faire les magasins chez H&M, donc c'est vraiment là que des vêtements de chez H&M. Je tenais à vous le préciser avant la vidéo pour pas vous dire où est-ce qu'elle a acheté ses vêtements. Donc voilà, bon, allez, assez parlé, sinon si je continue à parler ça va durer encore trop longtemps, donc allez c'est parti, on y va. Alors pour commencer ce haul, je vais commencer par les jeans que j'ai achetés. J'en ai pris que deux. Voilà, j'en ai pris que deux, des simples, j'avais besoin de pantalons, des pantalons on n'a jamais assez en fait. Et je trouvais que j'en avais pas beaucoup et ça m'énervait. J'avais pas beaucoup de couleurs, j'avais pas de... Je cherche toujours des jeans à mettre et voilà, je m'en suis acheté deux pour l'instant, donc c'est déjà pas mal, hein. J'aime trop en plus. Donc voilà, pour le premier, c'est un blue jean, c'est un skinny, il est simple, basique. Il a des poches arrière, des vraies poches devant, donc voilà, je l'aime beaucoup. Celui-ci est simple en fait. Les jeans, voilà, un jean simple, l'intérieur je vais vous montrer, pas de déchirure, c'est vraiment le jean de tous les jours qu'on met, voilà. Enfin les jeans déchirent, on peut les mettre tous les jours aussi, mais voilà, ça c'est un jean qu'on va plus mettre tous les jours. Que moi personnellement je vais plus mettre tous les jours, donc voilà, ça c'est un vrai jean simple, c'est un skinny, une taille 26, taille 26 c'est les tailles américaines, ceux-là ils sont en taille américaine, normalement bah, chez H&M il y a le tableau et ils disent, normalement ça c'est 26, c'est un 36 il me semble, 36, je crois que c'est un 36 si je me trompe pas, lui il tient bien, c'est un petit peu une taille haute, il arrête au-dessus, en dessous du nombril pardon, il est bien. Il tient bien, je l'ai même si je l'ai essayé pas très longtemps, franchement les deux que j'ai pris, ils tenaient bien. Ils étaient bien, ils gênaient pas, ils étaient pas chiants. Quand on achète un jean et qu'il nous saoule toute la journée, ça sert strictement à rien. C'est chiant en plus. Et donc voilà. Donc voilà pour celui-ci. J'ai bien aimé la couleur, ça change on va dire, c'est pas des couleurs qu'on met tout le temps ou qu'on met tout le temps, donc voilà. C'est le même genre, c'est un skinny. Par contre lui, bon il a des poches derrière mais il a pas de vraies poches devant, c'est des fausses poches en fait. Donc pour ceux qui veulent des vraies poches, ben voilà, je vous conseille mais voilà. Je l'aime beaucoup, moi je recherche pas spécialement des vraies poches, donc celui-ci me convient, j'aime beaucoup la couleur. Donc pareil que l'autre, il tient super bien, il arrive au même endroit que le jean. Donc voilà pour ces deux, les deux seuls pantalons que j'ai achetés, voilà, je suis contente de les avoir achetés. Quand je l'ai vu, j'ai adoré en fait. Je trouve qu'il est original. Sa petite originalité que j'aime beaucoup, c'est le col en jaune et les manches, le bout des manches qui sont également en jaune. Et en fait, j'ai bien aimé. Je trouve que ça casse le côté marin, noir et blanc. Là, il est noir et blanc, ouais. Donc, du coup, j'ai bien aimé. Ça fait original, ça fait stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand il y a de la couleur. Moi j'aime beaucoup. Hein. Donc celui-ci, je l'aime énormément. C'est un XS et je l'ai eu à 9,90€. Donc voilà. Raison de plus pour l'acheter. Hein. Déjà il me plaisait. Mais en plus d'avoir eu le prix, voilà. Donc c'était une bonne raison de pouvoir me l'acheter. Ensuite,
ensuite un petit pull. Un petit pull, il n'est pas long comme tous les pulls. Voilà, il arrive bien, il n'est pas serré en bas. Enfin, il retombe. Il n'y a pas de. Comme là, des fois dans les pulls, il y a ça au bout. Mais là, il n'y en a pas en bas, donc j'aime bien. Il est sympa, il n'est pas trop court, hein, c'est pas où on voit son ventre. Avec un taille haute, on voit rien du tout. Avec un taille un peu plus bas, on peut légèrement voir le ventre. Mais bon, moi, ça me gêne pas parce que je mettrai avec un taille haute. Et puis en dessous de mes pulls, je mets toujours un débardeur ou un autre pour pas avoir froid. Sur les manches, il a deux bandes blanches. Ça change, ça casse un peu de toute la couleur d'un coup. Il est sympa et c'est un XS également, donc voilà, il est plutôt ample, il colle pas, il n'est pas près du corps non plus. Je l'ai vu à 9,99€. Je n'ai pas dit la couleur, il est un peu violet. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là je crois qu'il me paraît un peu foncé, mais il n'est pas si foncé que ça. Hein. C'est un violet très joli. Donc voilà pour celui-ci, j'ai bien aimé, donc voilà. Alors là aussi, quand je l'ai vu, j'ai adoré aussi. En fait, c'est un peu comme l'autre haut. Bah, souvent, quand j'achète des vêtements, c'est des coups de cœur. C'est vraiment quand j'aime, quand j'apprécie. C'est pas parce que j'achète pour dire voilà. Je les aime tous hein, ce que j'ai acheté, mais il y en a que je préfère plus que d'autres. Donc là, c'est un petit chemisier. Super sympa avec les fleurs et tout. J'ai adoré. Assez longue. Elle est pas trop longue. Hein. Elle est bien comme il faut. Elle est pas trop cintrée. Elle est bien. Les manches, bah, c'est des manches longues. Voilà, j'ai bien aimé, j'aime trop son côté fleuri. En plus, j'aime bien les fleurs, donc ça tombe bien. Et puis, pour la saison, là, ça, de voir des fleurs, je pense que ça fera du bien au moral. Donc voilà, il y a de la couleur, des couleurs assez jolies, j'aime bien. Donc voilà pour ce chemisier, c'est un 36. C'est un 36, oui c'est comme les pantalons, ça dépend, il y a des trucs que je vais mettre en 36, il y a des pantalons en 34 et c'est comme les hauts en fait. Il y a des hauts je vais mettre du 36, il y a des hauts je vais mettre du 34 en fait, ça dépend vraiment de la coupe du haut. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Cette chemisier est à 14,99€, donc ça va encore. C'est pas trop non plus exagéré. Donc voilà, je l'ai adoré ce petit chemisier. Donc je suis contente, je suis repartie avec une chemise. Je voulais une chemise. Donc je suis repartie avec une chemise. Je l'aime trop, j'aime trop ces matières là en plus. Il est super bien, il est ample. La matière elle est souple, elle est légère, elle est douce. J'aime beaucoup. J'ai déjà un pull un peu de cette matière là et franchement je l'adore. Tiens, assez chaud. Hein, voilà. Celui-ci c'est un peu le même genre, j'aime beaucoup. C'est vraiment une matière que j'aime beaucoup ça. Et la couleur j'aime bien, j'avais pas non plus de pull de cette couleur. De toute façon tous les vêtements là que j'ai, j'avais pas de cette couleur là en pull ou etc. À me mettre. Donc ce pull là c'est du S. Donc voilà comme je vous dis, hein, là c'est du S et il était à 19,90€. Enfin il est à 19,90€ en fait. Donc voilà, c'est un pull que j'aime bien aussi. Le dernier article,
que je me suis acheté un autre pull, évidemment, hein. C'est la saison, il faut bien se couvrir hein, pour pas être malade, pour pas tomber malade. Un pull couleur kaki, voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, lui il a comme ça, l'autre non. Couleur kaki, un pull simple, normal, basique quoi. Manches longues, il tombe bien où il faut, il n'est pas trop, trop près du corps, il n'est pas trop collé, il est bien comme il faut. Voilà, je l'aime bien aussi, donc voilà, comme je vous disais, lui c'est un XS. Il est à 9,99€, donc franchement pour les prix, je trouve que je me suis bien sortie et j'ai des belles choses quoi. Des choses simples mais sympathiques que j'aime bien. Voilà, c'est tout pour ce haul. Je m'en suis sortie pour 104,93€. Donc je trouve que ça va. Hein. Pour tout ce que j'ai, je trouve que ça va. Et on va dire que c'est une qualité assez bien. Hein. C'est pas la meilleure des qualités, hein, y a toujours mieux. Mais franchement, H&M, j'aime bien la qualité, j'aime bien les articles qu'ils peuvent proposer. Voilà, c'est divers, il y a tous les prix. Donc voilà, tout le monde peut aller en acheter, tout le monde, voilà, tout le monde peut se faire plaisir chez eux. Donc voilà. Donc ce sera tout pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, tout sera en barre d'infos de toute façon. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. J'essaye d'être assez présente. Je fais peut-être pas assez de vidéos, mais j'essaye d'en faire assez souvent. Donc j'espère que ce haul vous aura plu, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut !